commissaire Page de la Grande Vie. Donc aujourd'hui, petite vidéo, encore à la cabane. Eh oui, faut que j'y finisse vite, vite, vite. Petit problème ce matin. Je suis arrivé, j'ai sorti le Gorillapod pour filmer. Il y a un deuxième pied qui est tombé sur les trois. Et le dernier aussi, voilà. Du coup, j'ai un Gorillapod sans pied. Voilà. Donc ça va être un peu la galère aujourd'hui pour filmer. Je sais pas comment je vais vous poser. On verra. On verra bien. De toute façon, je vais pas tout filmer parce que je vais refaire de la terre paille. Je vais vous faire une énième vidéo dessus, comment je fais. Je vais faire une vidéo quand j'ai fini. Et voilà, comme d'habitude, je vais sûrement encore faire 2-3 bricolages par-ci par-là. Mais l'important aujourd'hui, je vais essayer. Ah, une belle toile d'araignée, hein. Je sais pas si on la voit. Non. Je vais essayer de finir les côtés. Là-bas, l'autre côté aussi, le plus fini du coup. Et j'ai tous les contours là à faire. Là, et puis la partie où j'ai pas fini là-bas. Donc voilà, on se revoit. Putain, je vais y arriver. On se revoit après. Tout de suite. Donc voilà où j'en suis. J'ai fait le contour de la porte en haut, à gauche. Et j'ai fini de ce côté. Voilà. Donc ça a bien été la galère pour faire tout là, surtout à l'intérieur. Je ne sais pas si on va voir grand chose. Ouais. Donc les parties là, tous les coins en fait. Tous les petits coins derrière les trucs là, tout là. C'était bien galère, mais c'est bon. Plus qu'à finir ce côté. On aura fini quoi. Hop là. Ça glisse là-dessus. Bon, je vous reprends après. Bon, ben voilà. J'ai fini. Regardez-moi ça. Regardez. Donc voilà. J'ai fait. J'ai fini ce côté-là. Et j'ai fait ce côté-là. Voilà. Quand même bien. Donc voilà, j'ai enfin fini les murs terre paille. Il manquera plus qu'à faire les couches de finition, bah là où je viens de faire, sur toute la partie haute et la partie basse. Il me reste l'arrière à faire, mais bon, c'est rien, ce sera vite fait. Ça, le plus gros est fait enfin. Voilà, et ici j'avais laissé un trou à l'origine, je l'ai bouché du coup, il en restait. Voilà. Ça a bien été galère dans les petits coins là-haut. Ici, ça a été galère aussi. Mais ça le fait. Elles sont propres, mais vite. Hein, on voit presque plus de. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu depuis l'intérieur. Je vais refaire une vidéo. Parce qu'il faudra que je mette le flash. Je vous reprends tout de suite. Voilà. L'intérieur, une fois fini, on voit bien que c'est tout bien calfeutré. Voilà. On va faire en haut. Tout. Et voilà. Bon, c'est un peu le bordel, un peu beaucoup même. Allez, on se revoit dehors. Bah voilà, je pense que ce sera la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. J'ai bien travaillé, j'ai mal aux mains, je vais pisser ce matin, c'est enfin fini. Tout va bien, nickel chrome. Il m'en restera juste à faire un volet ici. Le volet que j'ai de ce côté pour ici.
Il est là, j'aurai juste à foutre les charnières. Et du coup voilà, comme je vous dis tout à l'heure, il restera plus qu'à finir les couches de finition à l'extérieur. Et j'en ai fini pour l'instant. Après je laisserai la cabane un petit moment. Donc voilà. Voilà, voilà. Bien content. Bonne chose de faite. Il me restera, je vais retrouver une bâche pour finir l'abri à bois en temporaire. Comme ça, je prends le bois, je pourrais mettre ma table ici à l'abri. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé le gros truc que j'avais là. L'espèce de gros tissu là. Ça allait pas du tout, ça se détendait, ça se grandissait. Voilà. Du coup, il va falloir que je mette tout ça à l'abri. Et voilà. Donc voilà, petite vidéo aujourd'hui. Bon, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, hein, moi, je sais pas quoi, je sais pas quand. On verra selon la motive. Donc voilà, on se revoit très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt. Peace!